Cuit. On dit comme ça en français, non? Je fais de l'art contemporain, j'ai des projets en art contemporain dans des territoires et en France et en Amérique latine. Puis je fais aussi de l'activisme politique auprès de différentes organisations en Colombie et en Europe qui travaillent dans des enjeux liés aux droits de l'homme et dont notamment une organisation qui s'appelle Citoyenneté pour la paix en Colombie, dont je suis vice-président depuis 2 ans. Le moment où j'ai compris que pour que mon travail ait une réelle pertinence sociale, il fallait que je me rapproche auprès des populations dont mon travail parle, que je me rapproche d'eux, puis aussi de leurs organisations et travailler dans leur territoire. Et quand je travaillais dans mes projets artistiques, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui devait aller au-delà de juste parler des gens, mais aussi qu'ils aient une place complète dans les enjeux qui se déploient culturellement dans mes pièces. De faire en sorte que les gens s'approprient de tout leur potentiel en tant que citoyens actifs et donc s'approprient des outils politiques pour faire un exercice de démocratie complète et construire ce qu'on appelle dans le milieu associatif une paix complète et positive. Raviri, ravi patara, ravi patakui, ravi patari, qui, quoi.